La 114, elle sort bien aujourd'hui? Ouais, non. Je sais plus, t'as qu'à lui demander. Tu fais quoi, là? Rien, rien, les cartons pour l'anniversaire de Sabri. Ah bon? C'est quand? Le 13. Ah, le 13, ça tombe bien. J'ai un super alibi. Quand on peut éviter les corvées, hein. Mais tu peux me passer les enveloppes, s'il te plaît? Attends, tu me les déclasses pas, là-haut. Bah dis donc, t'es sûr qu'il manque personne, là? Ah non, je crois pas. Attends, mais il y a un problème. Il doit manquer des noms. Enfin, au moins un. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je croyais que tu comptais pas venir. Bien sûr que non, non, j'avais pas envie de venir, mais enfin, c'est pas une raison. Oh, écoute, t'as qu'à demander à Sabri, c'est peut-être un malentendu. Attends, moi, aller me mettre à genoux pour un petit anniversaire de merde? Non, mais attends, mais je m'en contrefou. Hein. Tiens, je vais te dire une chose, le 13, j'ai une soirée incroyable. Puis alors, quand je dis incroyable, c'est... incroyable. Ouais. Ouais, rien que pour ce soir. Non. Tous les deux. Comme au bon vieux temps. Bon. Ouais, tu peux pas, c'est bon. Ok, c'est ça, on se rappelle, ouais. Ouais, je te rappelle, c'est sûr, c'est bon, je te rappelle. Hey, ça va. Hey, j'ai une de ces patates, moi. Je sens qu'on va s'éclater ce soir. Pourquoi, t'as une soirée, toi? Non, mais je me disais justement, hey, c'est vendredi soir. Hey, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis entre copains, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ce que tu veux, hein. Et moi, je dois aller chez mon oncle. Ah ouais? Ah ouais, ton oncle, celui qui m'aime bien, là, celui-là, donc. Hein? Cherche pas, c'est pas possible. Attends, hey, tu sais qu'il m'adore bien, ton oncle? C'est pas possible, je t'ai dit. Oh, faut t'apprendre à dormir tout seul, maintenant, toi. Bon, ok. I will remember. Jamel, j'ai pensé que tous les deux, si on passait... Non. Attends, je te demande juste de passer une petite soirée de rien du tout avec un ami de longue date et toi, t'es même pas capable de... Tu m'as déjà demandé, je t'ai dit, je vais au McDonald's. Hey, tu sors le grand jus à une fille, toi, ce soir, ou quoi? Menu best-of, grande frite, grand coca... Que personne ne sort! Pourquoi vous arrêtez de parler? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, non. On devisait. Alors? Moi aussi, pareil, je devisais. Au début, je devisais par là. Après, j'ai commencé à deviser par là. Et le plus que je devisais, c'était quand j'étais assis comme ça, quand j'ai vu... Il s'est passé quelque chose de grave dans notre établissement. Le 124 est mort! Pire. Le 125 est mort! Il y a eu un vol. On m'a volé un album de timbres de collection. Hé, hey, au début, vous m'avez fait peur, hein? Ça va, je vais défendre. Mon album de timbres. C'est pas grave, professeur, on va le retrouver. Vous avez pas un vêtement, quelque chose qu'on puisse faire sentir aux chiens, là? Aimé, ça n'a rien de drôle. Je connais l'engrenage. Ça commence par un meurtre anodin, puis un vol anodin, puis un bon matin, on se réveille avec des graffitis partout dans les toilettes. Pas de ça chez moi. Messieurs, je compte sur vous pour m'aider à arrêter ce malandrin. Malandrin? Malandrin. Eh, vous avez pas le prénom, professeur? Parce que comme ça... Je vais enregistrer des malades et je vais essayer de... Il y a des coupables partout, là. Là, là, partout. Si jamais, dans 48 heures, mon album n'est pas retrouvé, je rase l'hôpital. Je supprime tous les ponts du mois de mai. J'annule la bamboula.
C'est l'anniversaire de Clabri, de Jabri, de Platy, de... Comment s'appelle déjà le grand mec qui travaille ici? Sabri, mais c'est moi. Oui, c'est ça, Sabri, oui, c'est vous, très bien. Tout le monde est un coupable potentiel. Je répète, tout le monde. C'est quand même la honte de voler des timbres, hein. Je trouve pas. Excusez-moi, un jour j'avais volé le mouchier de ma mère, alors... c'est la honte, ça aussi, hein. Le mouchier? Ouais, le mouchier. C'est une sorte d'herbier, mais avec des mouches. Et c'était à ma mère, c'est pour ça. Ah, bon... Eh, alors voler des timbres, c'est mieux, alors? En fait, c'est classe, même. Ouais, mais faut quand même être un gros naze pour faire ça. Hein. Et celui qui a fait ça, ça doit être un grand naze, à mon avis. Hein. Est-ce que, imagine ce gros naze. Imagine, ça sera un copain à toi que tu connais. C'est pas vrai! C'est toi, Johnny Tissir! Et pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu cruciverbiste ou quoi? Non. C'est pas un truc avec ma religion, ça a rien à voir. Les timbres, je les ai collés pour faire joli sur mes cartons d'invitation de mon anniversaire. Là, je pouvais pas prévoir que c'était des timbres d'une collection de timbres, moi. Et tu t'es pas posé de questions quand t'as retiré les timbres d'un super beau livre en cuir relié en or? Hein? Tu t'es pas dit, oh là là, il est très bien ces livres tout d'or vêtu? Hein? Tu t'es pas posé de questions? Et des fois, tu fais des choses complètement insatiables, j'ai remarqué, quoi. Eh, mais attends, c'est pas grave, regarde, les enveloppes, elles sont dans la boîte à lettres de l'hôpital. On peut encore les récupérer, c'est bon, là. Ah ouais? Ah ouais. Eh ben c'est bon, ça va, t'as juste besoin des clés, c'est bon. Ouais, c'est tout. Eh ben voilà, tu s'arranges. Ouais. T'as les clés? Non. Et alors, le chinois, il lui dit... Désolé, je peux pas, je suis mancho. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous ai déjà raconté celle du rabbin qui se tapait Cindy Crawford ou pas? Si, si, vous me l'avez déjà raconté trois fois. Ah ouais, trois fois, j'ai déjà... Moi, si je fais ça, c'est pour vous soutenir avant votre opération, hein. Sinon je serais resté dormir chez moi. Hein. Je serais tranquille chez moi, là, à l'heure actuelle. Tranquille, ça. Je sais, merci. Hein? Vous êtes très dévoué. Hein? Pourriez-moi mon oreiller? Votre oreille? Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Sinon, vous savez comment un Mexicain... Maintenant, tu me lâches! Ça va pas bien, M. Philippon, vous entendez du couloir, là. Faut dormir, hein, maintenant. Demain, c'est le grand jour. C'est pas moi, c'est lui. Oh, le rapporteur! Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi? C'est un peu compliqué. Mais je peux pas rentrer chez moi. Quoi? Je sais pas où dormir. J'aimerais dormir. Bah écoute, je sais pas, si tu veux, tu peux dormir à la maison. Y a quelqu'un chez toi? Bah non, si je te propose, c'est qu'il y a personne, tiens. Vas-y. Ce sera pas trop possible, alors. Non, ça a l'air compliqué, ton histoire, là. Tu veux qu'on en parle? Ouais, j'aimerais bien, parce que là, je vais comment t'expliquer. Vous pourriez éteindre la lumière? Et mes acquis sociaux. Arrête. Jamel. Sache qu'à travers toutes les épreuves, notre amitié restera indéfectible. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste comparer celui qui avait les doigts les plus télescopiques. C'est toi, vas-y. Attends, oh, faut que je m'assouplisse un peu. Voilà. Vous êtes encore là, tous les deux?
Un vendredi soir. Non, mais si, oui, c'est pas ça, c'est parce que comme nous, on devait partir, mais comme... En fait, on savait pas trop si on avait oublié un truc. Hein. Alors on est venu là, histoire de réfléchir un petit peu avant de partir. Ah, voilà, on réfléchit. T'as ton tricot? J'ai pensé, c'est bon, il est là. C'est bon. T'as ton pantalon? J'ai pensé aussi. C'est bon. T'as tes chaussures, les deux? J'ai mis tes chaussures. Ça va, c'est bon, on peut partir maintenant. Bon. Ouais, c'est ça, mon petit Sabri. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas oublier. Hein. Tu vois, moi, par exemple, eh ben, j'ai pas envie de refaire ton planning. Alors, tu es de garde le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. T'as bien entendu? Le 13? Ouais. Bon, j'espère que t'as rien de prévu, le 13. C'est comme tu veux, hein. Moi, tant que j'ai ma soirée de libre, ça va. Attends, mais t'as rien compris, là. Tu passes la soirée ici, à l'hôpital, toute la soirée. Ouais? Ouais. Mais c'est comme tu veux, j'ai dit, hein, déjà. Moi, tant que j'ai ma soirée de libre, ça va. Tu le fais exprès, là, ou quoi? Sabri, on fait tous des petites erreurs. Ça se rattrape, La babysitter, elle était partie. J'étais tout seul. J'ai passé toute la nuit tout seul. Et depuis ce jour-là, je peux plus dormir tout seul. C'est pas grave, tu sais, dans la vie, il y a toujours des solutions. Mais non, il y a rien du tout, il y a pas de solution, c'est la merde. Mais si, mais écoute, t'as qu'à dormir ici avec moi. Bon, ça vient. Ça va. Arrête de faire n'importe quoi là! Mais arrête, on va se faire griller, arrête, vas-y. Vas-y, chante. Mais bon, chante. Franchement, on a autre chose à faire. Mais chante, juste chante. C'est juste histoire de couvrir le bruit, chante. Ouais, je chante quoi? N'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Pousse-toi. Les portes du pénitentiaire. Et t'as pas autre chose? Autre chose, n'importe quoi sauf ça. Vas-y, Je serai pendu. Ça autre chose, s'il te plaît. Va me chercher un tournevis. Va me chercher un tournevis. C'est quoi l'air de ça? C'est quoi? Parce que... Sinon, je peux... Vas-y. Ça te dérange pas si j'allume la télé? Alors là... Non, parce que je m'endors toujours avec la télé, moi. Viens, Natacha. Oh, c'est tellement gentil. Donne-moi ta bouche. Bon, on est un, là. Hein. Ouais. En plus, j'ai déjà vu ce film. Après, ils font l'amour comme des malades. Nul. Rien. Je voulais dire que c'est tellement gentil de m'accueillir dans ton lit. Attends, mais c'est naturel. Non, vraiment. Je trouve ça super sympa de ta part. Mais arrête, je te dis que ça me fait plaisir. Enfin, plaisir, disons, ça ne me gêne pas que tu dormes dans mon lit, voilà. Et t'as vu, tout ça sans sous-entendu. Attends. Si deux amis comme nous peuvent pas dormir ensemble sans que ça dégénère, on va où? Ah, c'est beau l'amitié. Attends, c'est quoi ce truc dur là? Oh, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein, mais... Ouais, pas du tout, c'est pas du tout ce que tu crois. Je crois rien du tout, moi, là. Mais t'es pas de garde aujourd'hui. Non. Non, je sais, mais je dors ici, c'est plus pratique. Comme ça, je peux bosser plus tôt. Ouais, mais tu bosses que lundi? Lundi, oui, mais comme ça, je suis sûr d'arriver à l'heure. C'est quoi cette horreur, là? Ça, c'est mon haut de pyjama. Tu me le donnes? Merci, c'est gentil. Ouais. C'est à toi, ça? Ouais.
peux savoir ce que tu fais là? Bouge pas. Cherche un tournevis. Ah ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Super. Allez, salut, merci. Et dis donc, t'as pas l'impression d'avoir été suivi aujourd'hui, toi? Non, pourquoi? Hé hey. Je la connais. Bon, tu peux sortir, s'il te plaît, j'ai des trucs à finir, merci, ouais. Ouais, ouais, des trucs à finir. J'entends des pas d'hommes. Ils sont environ dans les deux. À 5 minutes de marche, pas plus. Le premier porte une gabardine de couleur pourpre. Le deuxième est avaché sur le premier, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, bah justement, monsieur, à ce propos, vous l'avez vu, on vous cherchait partout, hein. Il y avait une telle de vandales récidivistes qui sont venus tout casser dans l'hôpital. Ils sont même attaqués à la boîte à lettres. Des fous mentales. Ah ouais, oui ou non? Oui, plein, ouais. Plein. Ils avaient des longs cheveux longs, blonds, avec des moustaches comme ça, et criaient ah, ah. Un petit passage secret? Si par exemple, pour le courrier, j'ai mis quelque chose dans la boîte, je l'ai envoyé, et puis j'aimerais bien relire, voir si j'ai fait une faute d'orthographe ou de faute. Ah non, désolé, poster, c'est poster, reprendre, c'est volé. C'est le règlement. Hey. Ah, c'est du sang de malade. Non, non, c'est du ketchup. On a fait des prélèvements dans toutes les cantines des hôpitaux, comme ça, histoire de... Ça nous fait. Ah, sympa. Pour hier soir, je voudrais pas que tu penses que tous les deux, que... Non, mais arrête, arrête. C'est du passé, ça. De toute façon, je t'en veux pas du tout, hein. On peut pas être au top top tous les soirs, hein. Pourquoi? Au top top. T'en t'inquiète pas, bah. Tu sais, c'est humain, hein. Tous les hommes ont des hauts et des bas. C'est un peu comme les téléphériques. Attends, des téléphériques de... Bah, par exemple, tu vas en sport. T'as les mecs qui jouent en première division, et puis t'as les autres, les amateurs. Hein? Eh ben, si tu les aimes bien, tu regardes quand même leur match. M'excuse, hein, j'ai du boulot. Hein. Non, parce que je voudrais pas que tu crois que... Tous les deux, c'est pour la vie, quoi. Je préférerais qu'on reste copains. À tout à l'heure. Béatrice m'aime au courant. Qu'est-ce que t'as raconté? Oh, bah fais pas innocent, tu sais très bien. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, les gonzesses. Ah, secret de femme et tout, t'as tout raconté. Alors, tu connais les téléphériques, le top top, la deuxième division et tout, c'est bon, ça t'a bien fait marrer? Non, simplement, j'aurais aimé être invité, c'est tout. T'aurais aimé être invité? Ouais. Hey, t'as les idées larges, toi, hein? Attends, quand les gens s'amusent, j'aime bien participer, ok? Salope. Vous m'avez demandé, monsieur? Oui, entre, Jamel. Non, c'est Sabri, moi, monsieur. Ah ben oui, bon, oui, c'est ce que je voulais dire, oui, Brassy, oui. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Il faut que je te dise. Oui. Tu sais qu'une petite vermine m'a volé mon album. Je sais, oui, je suis désolé pour vous, monsieur. C'est moi qui suis surtout désolé pour toi. Vraiment. Désolé. Parce que cette fois-ci, je ne te ferai pas de cadeau. S'il vous plaît, je ne pouvais pas savoir, moi. C'est pas de ma faute. C'est mon anniversaire, alors pour les cartons d'invitation, moi, je me suis dit que je pouvais... Non, 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 m'en dis pas plus. Tu me fais mal. C'est déjà assez dur comme ça. Voilà, fiston. Je voulais...
t'offrir pour ton anniversaire un magnifique album de timbres. Mais je suis désolé, je l'ai égaré. J'ai gâché ta vie. J'ai gâché ton anniversaire. J'ai failli à ma mission. Allons, commandant. Jamel, je crois que j'ai fait une connerie hier soir. Ah bon? J'ai couché avec Béa. Béa? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais pas la Béa de nous qu'on connaît quand même! Si, justement. De nous qu'on connaît. Béa. Ah, t'as menacé d'une arme? Elle a pris ta mère en otage? Pourquoi t'as fait ça? Attends, il y a pire. T'as couché avec le professeur Strauss? Le pire, c'est qu'elle m'a dit que j'étais pas. Comment. J'étais pas top top. Top top? C'est pour dire quand tu veux dire que quelqu'un t'a procuré du plaisir, mais qui t'en a pas vraiment procuré. Elle m'a dit qu'elle avait pas senti grand-chose, voilà. Ah, c'est tout, c'était juste ça. Mais faut pas te prendre la tête pour si peu, c'est rien du tout, ça c'est connu comme technique. Elle t'a dit ça pour que tu te surpasses la fois d'après. Ah ouais, tu crois? Bah, je serais certain. Moi, elles me disent toujours ça, les nanas. En général, elle me le répète la fois d'après. Non, je sais de quoi je parle. Joyeux anniversaire, Sabri. Joyeux anniversaire, Sabri. Joyeux anniversaire, Sabri. Et voilà, plus de cours. Yeah. Comme ça, tout le monde est content et tout le monde, il est pareil. Salut, Clara. Clara? Ah ouais, là, ça va mieux, beaucoup mieux, là. T'as pas l'air tellement la forme, hein, pourtant, là. Ah bon, tu t'intéresses à moi, toi, maintenant? Tiens, j'espère que je pourrai compter sur toi jeudi prochain, pour mon anniversaire. Pardon? C'est le carton d'invitation. Comme j'avais plus assez de timbre, je me suis dit que je te le remettrais de vive voix. Ah, c'est très gentil, mais je suis pas sûre de pouvoir venir jeudi prochain, parce que j'ai... Je compte sur toi quand même. Je compte sur toi quand même. C'est bien le 13, hein? Ce soir, fou, je suis au top, super puissant. Hein. Tu me sers un peu fort. Là. Léa, avec la forme que je tiens ce soir, faudrait pas qu'une fille me tombe entre les pattes, hein. Ah Fred, tu me fais mal. Excuse-moi, c'est avec tout ce que j'ai avalé là, je suis prêt pour les Jeux Olympiques, moi. Hein. Oh, t'es lourd là, arrête, hein. Tout va bien, pas de problème. Je vais juste marcher sur le pied. Que la fête continue! Allez, wouh! Par rapport à ce que tu m'as dit l'autre jour, là. Tu sais, à propos de tes goûts sexuels. Sur un coup. Ce soir, tu vas découvrir ce que le mot plaisir signifie. Tu vas te régaler. On sera que deux. Ça te gêne pas? Non, attends, t'es malade. Ça suffit maintenant. Je vais juste remarcher sur le pied à elle aussi. Ah, j'ai des grands pieds ou quoi ce soir? Que la fête continue. De pas te mettre tout en. Oh oh. Mademoiselle, par rapport à la robe, elle est autorisée dans ses services?